aujourd'hui, il faut briller. Comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est essentiel. On peut y aller, chef. Bienvenue à tous dans cette dernière course de la saison du championnat de Super Tourisme Argentin, le TC 2000. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la magnifique station balnéaire de Punta del Este, où c'est du très grand spectacle qui nous attend. Attention au départ, Rossi, leader de ce championnat, reste sans aucun doute le grand favori de cette épreuve. Mais je n'écarterai pas la possibilité d'une victoire de Ledesma, qui ne recule devant aucune audace. Soulignons d'ailleurs qu'il n'y a que 6 points d'écart entre ces deux candidats à la victoire, et que c'est aussi le championnat des marques qui se joue aujourd'hui. Le départ va être donné. Le feu est au rouge. Il va bientôt passer au vert. C'est parti. Allez, 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 allez. C'est Jiménez qui prend la tête, suivi de préparer les Desmas. Rossi est en 4e position. C'est très serré. Lucas Vallejos est en 5e position et continue de créer la surprise dans les dernières courses de cette saison. Encore 19 tours de piste et l'émotion est au plus haut. Rossi ne laisse rien passer. Vallejos est en 4e position. Une très belle saison pour lui aussi. Il talonne Rossi de très près. Il sait prendre des risques. Alors ça y est. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, Béa, le championnat est terminé. Ton équipe a remporté le titre. Tu peux me dire ce que tu fais là, hein? Tu devrais être en train de répondre aux questions des journalistes, de te faire prendre en photo. Pourquoi est-ce que tu te caches derrière tes tableaux? Quand le championnat termine, il y en a un autre qui commence. Franco, je dois te féliciter, non? Si tu veux, félicite-moi. Bon, qu'est-ce que tu veux, Herman? Non, j'ai appris que tu changeais de pilote pour la prochaine saison. Tu as fini d'établir ta liste de candidats ou non? J'ai quasiment fini. T'as vu la jolie course qu'a fait Lucas? Oui, il a bien bossé. Même très bien. Il me rappelle ton père. C'est de la graine de champion, ça. Il a un tempérament de vainqueur. C'est sûr, il lui faudrait une voiture. Béa, une voiture, une écurie, tu vois? Je sais que c'est pas la peine, mais j'ai laissé à ton hôtel un petit dossier sur son parcours professionnel et une petite photo de lui quand il était bébé, au cas où ça t'attendrirait. D'accord? Bon, je vous laisse fêter ça. Ok, je t'appellerai. Onco. C'est du très grand spectacle qui vous attend ce soir. Préparez-vous à vibrer au son des rugissements de moteurs de ce grand classique de duels automobiles. Bienvenue au Picadas. Il y a des concurrents de choix ce soir. Il y a du beau monde. Pardon, je crois qu'il arrive. Une petite seconde, je reviens. Regardez qui voilà, le météore de Salut. La Pampa, ça va? Alors, raconte. On a une petite picada au programme et des demoiselles avec peu de kilomètres au compteur. Ah ouais? Enfin, bon, elles ont un peu de route, mais ça vaut le coup, je te promets. Écoute-moi, aujourd'hui, il faut faire l'aller-retour. Tu plaisantes? Ben non, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ils veulent gagner par tous les moyens. Ils savent plus quoi inventer. Tant pis pour eux! Alors, qu'est-ce que t'en penses?
Eh, hey, fais pas cette tête. Attends un peu. Moi, je suis sûr que ça va te plaire, tu vas voir. C'est juste un moment. Tu te montres un peu et les sponsors sont contents. En plus, il y aura les équipes du TC 2000. Hein, la saison recommence. Tu comprends? D'accord, ouais. Une petite heure, pas plus. Une petite heure, c'est bien. D'accord. C'est bon maintenant, ça suffit, ça va. On branle champion, c'est pas l'heure de draguer. Cette poupée divine doit aller se concentrer. Écoute-moi, j'ai parlé à Barney. Il prend les paris. Le mec, il vient pour gagner, alors tu fais bien gaffe, ok? Comment il s'appelle? Milliardi. Milliardi? Ouais. T'as des infos sur lui? Plusieurs courses à son actif qu'il a gagné. J'en sais pas beaucoup plus. Et Ronco? Ronco est venu le voir plusieurs fois. Apparemment, il s'est fait du fric avec lui. Ah oui? Ouais. Quand est-ce qu'il court? Tout ça pour voir un coureur de Picadas? Mais un grand, hein? Lui, c'est pas un débutant. Ça fait des années qu'on n'en parle plus. Je pensais pas qu'il continuait à courir, mais à son époque, il était bon. Très bon, le mec. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, il a disparu. Je l'ai découvert il y a 2 mois, quand j'en ai eu marre de l'hippodrome. Quelle coïncidence! Alors, Anko, tu viens parier des pépettes? Il paraît qu'on te voit souvent par ici. Comment ça va, Béa? Bien, ça marche, toi? Pour un premier galop d'essai, je m'en sors pas mal. T'as pu voir mon dossier? C'est inutile, je te connais. Alors t'es pas sans savoir que je suis le meilleur pilote pour ton écurie? Ils vont assurer, vous allez voir ça. Vous allez pas être déçus. Mesdames et messieurs, tout le monde debout pour saluer le départ. On va voir ça. Allez-y, faites du bruit pour accueillir ces monstres d'acier qui, comme les diamants, sont éternels. Avec nous ce soir, le seul, le grand, l'incomparable, l'imparable vainqueur de ces derniers mois, Juan Manuel Milliardi au volant de la légende. Et oui, le public l'adore. Et nous aussi. Montre-leur. Dans le couloir numéro 2, Federico Segura et sa Mustang flambant neuve. Applaudissez, messieurs, dames, applaudissez! Et regardez donc qui s'avance! Notre magnifique porteuse de drapeau, notre grande Connie, la meilleure patineuse d'Acassuso. Que dis-je d'Acassuso? La plus grande du pays. Vous êtes prêts? Ils font chauffer les moteurs! Attention, ils sont prêts à mettre la gomme! Vert, c'est parti! Non, je te fais confiance, on va pas chipoter. On est comme des frères tous les deux, hein? Génial. Tu continues d'aimer les controns, toi, hein? Qu'est-ce que tu peux être maniaque, c'est pas vrai? Je reviens. Milliardi. Je le connais. Milliardi, je sais pas d'où, mais je le connais. Je l'ai déjà vu. Et t'as amené la patronne pour qu'elle le voie. Tu penses quand même pas qu'il peut courir chez les pros? Si. T'es pas croyable. J'arrive pas à y croire. Tu vas refaire pareil et te planter comme avec le gars de Tucumán. T'as foutu sa vie en l'air. Il avait les nerfs en plotte, le pauvre mec. Tu l'as détruit. Lui, c'est différent. Différent, ouais. Profitons-en pour remercier tous les sponsors. Tu penses vraiment que c'est un bon? Pour moi, c'est le meilleur. On prend les paris. On parie l'embauche de mon fils, d'accord? Lucas contre ton protégé, Milliardi. Allez, on parie. Tu sais bien que je peux pas parier. Je choisis pas les pilotes. Béa, écoute tes conseils. Mais la soirée n'est pas terminée. De magnifiques duels vous attendent encore. Elle te plaît?
Ouais. C'est ma voiture. Je peux voir le moteur? Ouais. Tu permets? Regarde, certaines pièces sont chromées. Elle est très bien entretenue. Ouais, on la traite avec beaucoup d'amour. Ça se voit. Les segments sont d'origine, tu vois. Et le bloc est réusiné? Ouais. C'est ce que je me disais. Hein? Est-ce que je peux monter? Ouais, vas-y. Il n'y arrivera pas. Elle a un secret. Je peux? Pardon. Derrière le volant. Écoute bien. C'est du bruit, non? 500 chevaux de puissance. 230 de vitesse maximum. Je monte même un peu plus. Elle atteint les 108 secondes. 7. Mais d'où est-ce que tu sors, ma chérie? Je connais toutes les hôtesses du coin, pourtant. Non, je suis pas une hôtesse. Je suis... La plus belle fille du monde. C'est gentil, mais en fait, j'étais venue pour voir ta... T'es quoi alors? Une hôtesse de charme? Mais qu'est-ce qui te prend, abruti? Ça va pas! C'est pas la peine de te mettre dans cet état! On se calme, ma jolie! Hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'as pris un pain? Elle t'a violé? Non! Elle est dingue! C'est pas grave, laisse tomber! C'était une hystérique! Et enlève ça, on dirait qu'elle est en vente! Excusez-moi, pardon. Il se passe un truc? Non, rien. Faudrait qu'on s'organise pour emmener les filles. Sérieux, j'en ai ras-le-bol de toujours devoir... Aura, demande à ton copain s'il veut bien remettre ça. Un pari sérieux cette fois. Ça dépend de combien on parle. De ta voiture. La légende contre ma voiture. C'est qui ce type? J'en sais rien, je l'ai jamais vu. Y'a qui aux manettes? Ça sera mon fils. T'as peur, champion? Tu peux dire à ce monsieur de pas s'adresser à mon champion? Merci. Ça me plaît pas. Hein? On s'en va. Allez. Attends, t'as vu la voiture? Si on la revend, ça règle tous nos problèmes. Alors? Dis-lui que... Hein? T'as pas le droit de parier la voiture de ton père, c'est clair? On se barre. Merci. Allez, viens. J'accepte. C'est d'accord? Ouais. Bon, il faut d'abord qu'on signe quelques papiers. Venez par ici. Ça y est, c'est réglé, Ronco. T'en es aussi? Hein? Tu veux parier, toi aussi? J'ignore de quoi vous parlez, mais les paris, c'est pas mon truc. Parier ta voiture, pas vrai? Quoi? Mon père m'a dit que t'avais parié ta voiture. Ouais. Et il s'en mord les doigts? Non. Je renoncerai à ta place parce que tu vas perdre. Ah oui, contre toi, tu veux rire? Ce que t'as dans ta petite tête, c'est aussi papa qui te l'a offert? T'es qu'un pauvre con. Ouais. Dans le couloir numéro 1, l'invincible Juan Manuel Milliardi. Couloir numéro 2, un tout nouveau concurrent. Actuellement pilote professionnel dans le TC2000, Lucas Vallejos. Thank you.
Tu t'es encore trompé, Ronco. T'inquiète pas pour les frics. Passe à la maison de là, hein. Ciao. Mais... la durite est coupée. Ils m'ont coupé la durite. C'est bon, les mecs, donnez-leur la voiture. Tu m'as coupé la durite d'arrivée. T'essaies de me rouler. Combien il t'a payé, cet enfoiré, pour me voler? Eh, hey, si tu sais pas perdre, t'arrêtes de il jouer. Il n'aura pas ma voiture, ce fils de pute. Mardi, tu t'en charges et tu m'appelles. Ouais, pas, bien fais sûr. Fais quelque chose, putain. Fais quelque chose. Tu n'auras pas ma voiture. T'as compris? Attends. Je te la donnerai pas. Pourquoi t'as fait ça? T'as pas confiance? Je pouvais gagner sans ça. Ça va, boucle là et avance. Ils m'ont eu en beauté, hein. J'ai plongé sans réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? La vérité, mon gars. Que tu voulais l'aider et que tu t'es planté. Peut-être qu'il va te tuer, hein. S'il ne meurt pas avant d'une crise cardiaque, quand tu lui raconteras. C'est pas drôle pour un sou, ce que tu dis, là. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu m'avais écouté, rien de tout ça serait arrivé. J'essaie juste de faire un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Allez, viens, je te ramène. Non, moi, je reste là. Vas-y. Tu veux pas que je te raccompagne? Non. T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. Ah, je te jure. Bon, tu peux toujours dormir sur le clic-clac du salon, ça tu le sais. Si jamais t'en as besoin. Deux fois champion de karting. Deuxième au Pan Americano 2000. Disparu sans laisser d'adresse jusqu'à aujourd'hui. Elvio Roncoso, salut. On ne peut pas gagner à chaque fois. Nous sommes en train de sélectionner les pilotes pour le prochain championnat. Tiens, présente cette carte de visite et dis que tu viens de ma part. Vous rigolez, là? Pourquoi moi? Et pourquoi pas? Je t'attendais. T'imagines pas la partie qu'on s'est payée hier soir. Carlito avait un full de roi et il allait emporter tout le paquet. Alors Marito lui tape sur la main et lui dit « Moi, j'ai un full d'as ». Et du coup, tu sais comment il est, Marito. Il bougonne, il dit qu'il est le meilleur du monde, je sais pas quoi. Et moi, pendant ce temps, j'attends tranquillement jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je lui sorte un poker de 8. La tête qu'il a fait, t'imagines, il voulait mourir. Papa! J'ai reçu un mail. Eh? Je suis parmi les candidats. Dans mes bras, mon fils. Bravo. Mais comment as-tu pu te laisser berner comme ça, abruti? Tu m'as menti, c'est ça? Moi, je peux te dire pourquoi ça t'est arrivé. Parce que tu ne sais pas t'arrêter. Un bon joueur, c'est un type qui sait s'arrêter, mon gars. On aurait pu payer ton opération, papa. Oui, mais tu n'as pas gagné. Cet argent, il va bien falloir le trouver quelque part. Mais toi, tu préfères mourir plutôt que de vendre cette voiture. Je ne vendrai pas cette voiture. La légende n'est pas en vente. Tu oublies ce qu'elle signifie pour moi. Je me contrefous de ce que ça signifie pour toi. C'est toi qui sais pas t'arrêter. Et celui qui ment, c'est toi. Tu continues de jouer comme si de rien n'était. Tu me demandes même pas ce qui m'est arrivé. Ah, tout ce qui t'importe, c'est cette voiture. Boucle là, tu vas prendre une... Qu'est-ce qui se passe? Ça va, papa, tu veux... Va-t'en d'ici! Laisse-moi seul! Et ne reviens pas sans la légende. Tété, il a dû faire une grosse crise, hein? Ça a bardé, non? Allez, entre. Non, viens. Non. Pourquoi? Je pars en voyage. Et où ça? Très loin. Ah, arrête de faire des mystères. Non, non, je pars en voyage. Tu me prêtes la moto? Non, la moto, tu sais, c'est comme les femmes, ça se prête pas.
Ça se partage. Bon alors, où on va? Anorak ou maillot de bain? Attends un moment, on est en train de faire une bêtise. Je crois que c'est une mauvaise idée. Mieux vaut rentrer, viens. Mais t'es fada, toi? Tu perds la tête? Tu me fais venir jusque-là et tu fais demi-tour devant la porte? Eh, moi je rentre en moto et toi tu rentres à pied, je te préviens. Ils ont pas besoin de moi, là. Je suis sûr qu'il y a que des cons là-dedans. Mais on s'en bat la casquette! Ils n'ont ni ton expérience, ni ton grand cœur, ni les couilles que t'as, mon gars. Tu as été et tu restes le meilleur. Allez, montre-leur ce que t'as. Merci. Déconne pas, ils nous observent. Et tu paries rien cette fois, hein? C'est pas un gros écart, ça peut se remonter sur une saison. T'as le temps? Non, je déconne pas, je te promets. T'es pas à l'abri d'une surprise, j'ai connu ça moi aussi. Bonjour. 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 Bien. Je m'appelle Arturo Sansini. Je suis le directeur sportif de l'équipe. Comme vous le savez, vous êtes tous candidats pour remplacer les deux pilotes de notre écurie pour la prochaine saison. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité du groupe que nous avons sélectionné, parce que je vois ici des visages qui ne me sont pas inconnus. Il y a là des pilotes de grande expérience et savoir-faire, comme notamment Sébastien Zamora, qu'évidemment ne présente plus. Merci Arturo, j'espère être à la hauteur de vos attentes. Ah, je crois que tu n'auras aucun problème. De toute façon, je voulais souhaiter bonne chance à ceux qui sont là. Merci. Et à ces nouveaux pilotes talentueux qui bientôt feront beaucoup parler d'eux, j'en suis convaincu. Bien, juste une petite question. Vous, vous devez être Gagliardi. Non, Miliardi. Veuillez excuser mon ignorance. Je connais tous ces pilotes personnellement, ou je connais leur parcours, mais je n'ai aucun dossier sur votre carrière. En fait, voilà, j'ai deux titres de champion de karting et une deuxième place au Panamericano en l'an 2000. Et depuis l'an 2000? Depuis 2000, je cours plus. Professionnellement parlant, je veux dire. Mais dans ce cas, ça va faire 8 ans que vous ne courez plus. Bon, si, je cours. Dans les picadas. Celles qui sont légales. Excusez-moi, mais qui vous a convoqué? Moi. La personne qui vient d'entrer est notre ingénieure Bea Ulloa. C'est elle qui conçoit les voitures qui viennent de gagner le dernier championnat. Et la patronne de cette équipe. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir ici. C'est moi qui suis chargée de promouvoir vos talents, une sorte d'hôtesse, disons. Messieurs, nous sommes à la recherche des pilotes les plus vifs, mais aussi les plus intelligents. Je demande à ceux qui ne sont pas prêts à relever ce défi de ne pas nous faire perdre notre temps, ni à moi, ni à mon équipe. Et en ce qui concerne Miliardi, il possède un palmarès impressionnant dans le monde des picadas. Et je suis curieuse de le voir à l'œuvre lors des épreuves. Merci à tous. On aurait pu payer ton opération, papa. Va-t'en d'ici ! Laisse-moi seul ! Les autres pilotes aussi sont sur les nerfs.
Si t'arrives en retard, tu commences mal, hein. On peut y aller. La première épreuve consiste à faire 10 tours de piste. Les 4 premiers courent l'épreuve suivante. Roncoso va vous attribuer les voitures et les techniciens qui vous assisteront. Marinari, Grippo, voiture 1. Duarte et Giussani, voiture 2. Zamora, Bourlanghi, voiture 3. Baillejos, Miliardi, voiture 4. J'arrive pas à y croire. T'as un problème, toi ? Marinari, Zamora. C'est pas moi qui ai un problème, c'est toi depuis que t'as perdu ta bagnole. Tu veux que je te casse la gueule ? Tu veux que je te la pète ta gueule ? Est-ce qu'il y a un problème ? Non. Non. Pourquoi ? Non, non. Bien. Allez, en voiture. Ulloa, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais aux commandes d'une équipe pour le TC 2000 ? Parce que tu m'as pas laissé parler. Parce que j'ai cru que tu jouais à celle qui était calée en mécanique. Je suis nulle en mécanique, je suis ingénieur de voitures de compétition. Pardon. Je suis qu'un imbécile, c'est ça ? Si je suis qu'un imbécile, pourquoi tu me fais venir là ? Parce que derrière cet imbécile, je pense qu'il y a un bon pilote. Bonjour. Bonjour. Miliardi, finalement tu seras avec Marinari. Alors, tu vois ? Roncoso pense vraiment que ce type-là peut courir ? Il est en train de passer les épreuves. Tu lui fais confiance toi aussi ? C'est pas vrai. Quand t'as commencé, personne n'y croyait non plus. Un jour, tu m'as dit que je deviendrais le meilleur de tous. Ouais, il y a bien longtemps. Et tu le penses encore ? Pardon, mais... je comprends rien à tous ces trucs. Les graphiques, tout ça, j'y comprends rien. Alors tu sais, je vais faire les choses à ma façon. Va nous bousiller toutes les voitures. Ouais, on verra demain. Demain est un autre jour. T'en fais pas. Un problème, Miliardi ? On t'avait rien dit ? Quoi donc ? La piste, la route goudronnée, tu l'as peut-être pas vue ? Pourquoi tu vas me faire chier, connard ? Pourquoi tu m'emmerdes là ? Tu m'appelles t'as à demandé que je te fasse ta gueule, c'est ça ? T'as aucun stade, tu viens me faire la morale ? Depuis que vous êtes là, vous arrêtez pas de vous battre ! Ça suffit ! Vous voulez continuer la compétition, vous arrêtez ! J'étais clair ?
T'as été qualifié pour demain? Oui. Alors va-t'en. Non, je vais rester. C'est peut-être ta voiture, on va savoir. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous n'avez rien à faire? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu te bats contre tout. Avec la voiture, après avec Ballejos. T'as plus qu'à te battre contre moi et ça y est. C'est ta dernière chance de faire le temps qui va te permettre de continuer. La fous pas en l'air. Cherche pas à battre le record. Et prends du plaisir. Et dans les virages 4 et 6, mets pas trop la gomme. Combien doit faire Miliardi pour se qualifier? 1 minute 38. On parie un dîner qu'il fait moins que ça. Comment ça a été? Bien, t'es quatrième. Quatrième? Ah, super! Et le temps, ça allait? Très bien. C'est vrai? Félicitations. À demain, les gars. À demain. Merci. Salut. C'est bon, arrête, Miliardi. Il faut que je préserve ma réputation, hein? Parfait, concentre-toi pour demain. D'accord. Je vous laisse les clés. On a laissé ça pour vous. Ah. Merci. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Que je ne peux pas accepter. Il n'est pas souhaitable qu'on me voie avec un pilote. On pourrait me soupçonner de favoritisme. Mais je suis pas n'importe quel pilote. En ce moment, si. Tu ne me pardonneras jamais d'être parti en Europe. Tu as fait ce qui te semblait opportun. Tu veux que je te dise que je me suis trompé? Je n'ai pas arrêté de penser à toi pendant ces jours. Et depuis mon retour, tu cherches à m'éviter, Béa. J'ai pourtant le sentiment qu'on devrait discuter. Je dis pas qu'il faut faire ça maintenant, mais quand les épreuves seront finies, par exemple. Qu'est-ce que t'en dis? Peut-être. Ronco, attends-moi devant la porte, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Julie Rose, un admirateur? Ça te regarde pas. Félicitations pour les essais. Merci.
On se voit demain. C'est un rendez-vous, ça? Je ne sors pas avec les pilotes. C'était une blague, rien de plus. Désolée pour ta voiture. Ouais, moi aussi. Cette voiture a une histoire particulière pour moi. Eh ben, tu me le raconteras. Alors, Vallejos, bravo pour la qualification. Merci, c'est gentil. Et moi, je suis très content. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le pilote idéal pour faire équipe avec moi. J'espère que l'avenir te donnera raison, on verra. On peut commencer dès demain? Tu veux dire quoi, là? Tu me comprends, non? Arrête, me regarde pas comme ça. On dirait que ton papa t'a jamais rien expliqué. Tu penses que Borlinghi est pas en train de faire affaire avec ton copain? C'est pas mon copain. Raison de plus, alors. On fait équipe. Non. Merci, non. Excellent repas ce soir. Et grâce à Miliardi, je vais finir par une délicieuse tarte à la rhubarbe. Tu ne veux plus rien? Non, merci. Tu as vu les essais? Oui, évidemment, j'ai tout regardé. Lucas et Juan Manuel sont les deux meilleurs, il n'y a pas photo. Malgré les sorties de piste? Oui, malgré les sorties de piste. Ça va être dur de monter une équipe avec ces deux-là, ils ne s'entendent pas bien. Ils s'entendent mal et en plus, il y a ce petit problème, non? Non, pas ce petit jeu. Et moi, j'aime que les brunes, alors ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Demain, s'il est bon, il va bien falloir que tu prennes une décision, non? D'abord, il faut qu'il gagne. Aujourd'hui, je vais avoir deux raisons d'être content. Celle de remporter cette épreuve, et celle de savoir que je te verrai plus jamais. Tu veux parier la légende? Moi, je parie que je reste. T'as plus rien que tu pourrais parier. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi Béa m'a fait venir? C'est pas elle, c'est Roncoso. Mais elle a accepté, il y a une raison, non? La mêle pas à ça. Pourquoi? T'as peur de perdre, c'est ça? Arturo! Il est très bien, Lucas. Il va y avoir du spectacle aujourd'hui. Ça va être une bonne année. On va voir ça. Qui tu veux voir gagner, toi? Ce qu'il mérite. En Paris, Béa? Non. We'll be right back.
Pas mal. C'était comment? Joli, non? Écartez-vous, laissez-moi. Merci beaucoup, les gars. C'est encore chapeau. Très bien. Hey! Très bien, mon fils. T'as vu, Urgo? Très bien. Oh, t'as vu ça? Génial, mon fils. Très bien. Génial. Très bon, merci. Très bon, tout ça. Bienvenue dans l'équipe, Lucas. Merci. Très bien. Il faut traiter ça. Félicitations. Incroyable. Je reviens. Je te félicite. C'est bien que tu sois venu, papa. J'avais prévu de faire un petit discours, alors j'ai pris soin de tout noter sur mon petit papier et je sais pas si c'est vraiment le moment. Ah. Miliardi, tu viens faire une photo avec Vallejo, s'il te plaît. Je reviens, allez, va faire ta photo. Ouais, j'arrive. Merci beaucoup, merci encore. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Je suis très content. Une photo avec les deux pilotes. Merci. Je te félicite, gamin. C'est gentil, vieille croûte. Avant toute chose, je voudrais vous féliciter d'avoir su contrer la stratégie de pilote bien plus expérimentée que vous ne l'êtes. Vous avez confirmé l'impression que vous m'avez faite dès la première fois. Tous les deux, vous pouvez faire une grande équipe. La seule chose qui me préoccupe, c'est votre différend. Je vois pas de quoi tu veux parler. Non, moi non plus. Il ne s'agit pas que vous soyez amis, mais que vous réussissiez à faire abstraction de vos petits problèmes. J'ai besoin d'une équipe, pas d'un seul pilote. Ce sera les deux ou rien. C'est mieux comme ça. Et le public a hâte de découvrir la nouvelle équipe Chevrolet en action. L'écurie vainqueur du dernier championnat a créé la surprise en engageant le tout jeune Lucas Vallejos et un inconnu au bataillon, Juan Manuel Miliardi. Nous saurons très bientôt si ce choix s'est avéré judicieux. C'est une chance inouïe qui s'offre à moi et je vais pas la laisser passer. Je suis très content qu'on m'ait choisi pour participer au plus grand championnat de course automobile du pays. Et c'est la toute nouvelle saison du TC2000 qui s'ouvre aujourd'hui. La victoire semble acquise pour Vallejos. Et c'est fait. C'est Vallejos qui l'emporte. Je veux prouver que je suis là pour gagner le championnat. Je sais que pour mon père, c'est un grand honneur, une très grande fierté. Mais je voudrais lui dédier cette victoire parce qu'il sort tout juste d'une opération, alors... Papa, je t'embrasse et maintenant tu éteins la télé. L'écurie championne en titre n'en finit pas d'aligner les victoires. Contre toute attente, les jeunes pilotes de Chevrolet sont en train d'accomplir le rêve de leur écurie. Ils maintiennent la pression et sont en route vers la gloire. Seul Samora semble encore capable de les arrêter. Samora ne lâche rien. 12 points d'écart entre les deux pilotes. Quel festival! Chevrolet ne laisse rien passer cette saison. Magnifique échappée de Vallejos. Et votre relation avec Vallejos? Extraordinaire. Extraordinaire, oui. Le courant passe bien. Nous sommes en train de faire des miracles tous les deux. Ciao. Alors, tu fêtes la victoire? Oui. La même chose que madame, s'il vous plaît. Oui, Yoa.
Tu es la fille de Luis Ulloa, non? Mon père était fan du tien. C'est vrai. T'avais quel âge quand c'est arrivé? 13 ans. T'étais là le jour de l'accident? Ouais. Il m'emmenait voir toutes ses courses. Je suis vraiment désolé. Et toi? Moi quoi? Roncoso m'a pas dit pourquoi t'avais arrêté. Personne ne le sait. Mon père est un homme vraiment passionné. Le jour où j'ai failli gagner le Pan Americano, il était là et... D'émotion, son cœur a lâché. Il était très mal. Les mois qui ont suivi. Alors, je me suis senti coupable et... J'ai quitté le métier. Après, on a appris que l'opération était hors de prix et c'est pour ça que je courais les picadas. Mais ensuite, grâce à l'opportunité que tu m'as offerte, j'ai pu payer l'opération. Trinquons à nos deux pères. À leurs enfants. Je vais me coucher. À demain. Quel savoir-faire! Quel talent! D'abord Roncoso, ensuite Béa. Je vous observais, vous ne parliez pas travail, non? Nous avons un petit problème parce que... Mon fils a une tendresse particulière pour votre ingénieur. Et je verrai d'un très mauvais œil qu'on lui fasse de la concurrence. Je te donne ma parole d'honneur que si tu renonces à l'ingénieur, je te rends la légende. Et Lucas n'en saura rien. Des nouveaux réglages de la voiture. C'est clair, mille fois mieux, surtout sur la droite. Toi, Juan Manuel? Parfait. Pardon. Magnifique, les mecs! Vous êtes les champions, les mecs! Vous êtes les meilleurs! Ouais, je te tiens au courant, Juan Manuel, il faut que Chut. Je te parle. Tu disais? Ouais, d'accord. Aussi? Non, j'ai des trucs à faire. J'ai une interview, je reste là. T'as un dîner avec les hôtesses ce soir? Y a un problème? Les essais sont terminés, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien. T'as un problème avec moi? Non, j'ai aucun problème. Bonne chance avec ton dîner. Bonne chance avec tes groupies.
Merci. Pardon pour le retard. Non, c'est pas grave. Tout va bien? Ouais, je suis confiant. La prochaine course, ça va aller. Il y aura pas de soucis. Mais j'aimerais qu'on parle pas de travail, qu'on évoque d'autres sujets. Bien, de quoi tu veux parler? Je voulais qu'on en discute après le championnat, mais je peux pas attendre. Je sais que c'est ma faute si ça n'a pas marché entre nous, mais je vais me faire pardonner. J'ai l'impression qu'on s'entend très bien maintenant, tous les deux. Les essais sont terminés, je suis premier au championnat. La seule chose qui reste à définir entre nous, c'est ce que tout le monde soupçonne déjà. Il n'y a rien à soupçonner parce qu'il ne se passe rien entre nous. Il ne se passe rien parce que tu ne veux pas que ça parle dans notre dos. Non? Mais moi, ça m'est égal. Je n'arrête pas de penser à toi. Pardon si j'ai pu te faire croire le contraire. Mais je ne partage pas tes sentiments. Béa, et ce n'est pas parce que je ne veux pas mélanger le boulot et la vie privée. Alors pourquoi, dans ce cas? Je n'ai pas envie d'en parler avec toi. Et pourquoi tu refuses d'en parler avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un d'autre? Bon, tu sors? Non. Je croyais que t'avais un dîner ce soir. Je croyais que t'avais une fête, toi. Tu m'as dit que tu sortais pas avec les pilotes. Si tu veux parler de Lucas, tu fais erreur. On dirait pas. Je n'ai aucune explication à te donner. Ben, moi non plus. Pourquoi tu me suis? Tu vas dans ma chambre. Oh, je t'en prie. Comment ça, je t'en prie? C'est fou comme t'es immature. Et toi, pour qui tu te prends avec cette attitude de princesse inaccessible? Tu veux dire que je suis prétentieuse? C'est toi qui me suis, là. Je n'ai rien d'inaccessible. Ah non? Non. Salut les jeunes. Bonne chance, champion. Comment ça a été le dîner? Plutôt bien. Bien. Je dois reconnaître que tu y mets vraiment du tien. Tu te comportes très bien. Une fois le championnat terminé, passe récupérer ta voiture. Vallejos.
Je te laisse la légende. Vérifiez bien le serrage des roues. De Lucas. Béa. Pardon, j'ai pas entendu. Le moteur de la 6 a un problème, il faut l'envoyer au stand. Lucas, fais une pause au stand. T'es folle ou quoi? Tu veux me faire faire de la course? On est à 4 tours de la fin. Tu dois sortir, ta voiture a un problème. Béa, je t'entends pas, tu ressens très mal. Vérifiez l'intercom. Lucas. Juan Manuel, tu me reçois, toi? Je te reçois parfaitement, Ronco. Il n'y a pas de problème de réception. Il t'entend, mais il veut pas répondre. Juan Manuel, Lucas va perdre de la puissance. C'est toi qui prends la tête. Sors de la piste immédiatement. Non. Lucas, arrête de pousser le moteur. Pour pas me faire chier. Laissez-moi passer. Pardon. Calmez-vous. Ils vont bien. Ils sont hors de danger. T'es sûr de ce que tu dis, là? Je te dis que j'ai tout vu. Et juste quand je suis plus qu'à 2 tours de la victoire... On me sort pour une broutille. Le docteur Calypso est demandé au premier étage, s'il vous plaît. Tout ce que je veux, c'est gagner le championnat. Et les deux autres ont tout arrangé pour que ce soit Juan Manuel. Je m'en charge, ne t'en fais pas. Toi, tu te détends. Moi, je te dis que si. Il s'est littéralement jeté sur lui. Il l'a fait exprès. Il est complètement dingue, ce gosse. Mais enfin, Roncoso m'a dit qu'il avait un souci de moteur. Un souci de cerveau, plutôt. Il est barche, mec. Le docteur Hendel est demandé au bloc opératoire. Merci. Herman, comment va Lucas? Très bien, et pas grâce à toi, c'est sûr. Pourquoi tu me dis ça? Ça va, je te connais, on me la fait pas. Tu vas nous le payer. Et voici la directrice de l'équipe, Madame Ulloa. Juste une petite question. Vous pouvez nous dire un mot de votre relation avec Miliardi? Béatrice, quelques mots, s'il vous plaît! S'il vous plaît, faites appeler Herman Bayeros pour mettre un terme à ce scandale. Que pensez-vous faire? Gagner le championnat comme prévu, vous m'avez embauché pour ça. Miliardi et Bayeros vont courir la prochaine épreuve? Non, mais ils pourront courir la dernière. Vous voulez dire que nous allons perdre une course de plus? Je sais que les suppléants vont faire du bon travail. Vous savez combien nous avons su valoriser votre travail et le respect que nous avons pour votre famille. Je sais et je vous ai remercié avec une victoire. Et je vous rappelle que les archives de la course sont à votre disposition pour vous prouver qu'aucune irrégularité ne nous a conduit à faire sortir Bayeros. Je vais être très très clair. Je me moque de savoir lequel des deux va gagner. Votre amant ou Bayeros?
mais je vous demande fermement de bien vouloir résoudre ce problème. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Dans 4 jours, il me laisse sortir. Dès que je pourrai bouger, j'irai parler à Lucas. C'est inutile, j'ai essayé, il ne veut rien entendre. Mais il n'a pas tout à fait tort. Nous n'aurions pas dû. Non, non, qu'est-ce que tu racontes, là? Le père de Lucas va en tirer profit pour gagner le championnat, tu le sais. Et s'il le faut, il nous sacrifiera pour le faire. Je le sais, mais peu importe. Pardonne-moi. Béa, pars pas, pars pas. Béa. Béa. Béa, reviens. Béa. Si on m'avait dit, tu paries qu'elle est capable de faire une telle connerie, bah j'aurais perdu. Viens pas faire chier, Ronco. Qu'est-ce que tu veux? Que t'arrêtes de dire des saloperies. Comme un gentil toutou? Et que je vous laisse me voler le championnat? Béa et moi, on veut rien te voler. En fait, c'est quoi le problème? C'est la course? Ou qu'elle sorte avec moi? Parce que si c'est ça, sache qu'on sort plus ensemble. Comme par hasard. Écoute, abruti, on n'est pas en train d'essayer de gagner une voiture ou une première place. C'est le travail de Béa qui est en jeu. Je te laisserai pas lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Apparemment, ils sont plus ensemble. Comme par hasard. Après le bordel qu'ils ont foutu. Ils vont la virer? Pas maintenant. À la fin du championnat, sûrement. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont en train de te baiser. Pour toi, la seule chose qui compte dans tout ça, c'est de gagner la course. Un point, c'est tout. Gagner. T'entends? C'est ça. Comme quand on a gagné la légende. On s'en va. Allez, viens. Un de ces jours, je vais débarquer chez les Galiciens et je vais tout raconter. Je vais monter un scandale, vous allez voir, ça va chauffer. Je suis en train de réfléchir. Quel Galicien? Vallejos? Je suis sûr qu'ils sont espagnols. Ah. Tu y vas? Demandez comme ça. Comment ça va? T'as mal? Ça va. Je sens presque plus rien. Et Béa? Avec Béa, ça va pas. Elle veut pas me voir, j'ai aucune nouvelle. Essaie d'être patient. Parfois, vaut mieux laisser passer un peu de temps pour que les choses se calment. Et parfois, on gagne en levant le pied de l'accélérateur, non? Nous allons aujourd'hui connaître le dénouement d'une saison décidément passionnante. 13 courses ont déjà été courues, et voici la dernière course du championnat. Alors,
Comment tu te sens? Comment tu veux que je me sente? Mal. T'es inquiet, c'est ça? Je suis là pour gagner le championnat. Le reste, je m'en fous royalement. C'est tout à fait normal. Hier soir, j'ai parlé avec Miliardi. Lui non plus, ça va pas. Mais vous formez toujours une équipe, si je ne me trompe. Lucas, essaie de ne pas te tromper. Le gagnant de la course, c'est le plus rapide, mais les championnats, ça se gagne avec ça. Et si tu sais utiliser ça, tu te rendras compte que Béa ne se permettrait jamais de favoriser l'un de vous deux. Tu la connais bien, non? Sébastien Zamora défendant les couleurs de Renault et Lucas Ballesteros et Juan Manuel Miliardi pour l'écurie Chevrolet vont bientôt s'affronter pour décrocher le trophée le plus prestigieux du monde de la course automobile d'Argentine. Je ne pensais pas devoir terminer le championnat dans ces conditions. Mais je suis toujours en charge de cette équipe. Et vous dépendez de moi tout comme je dépends de vous pour décrocher cette victoire. Lucas, je te demande de faire confiance. Tu peux pas me demander ça. Tu penses courir comme la dernière fois, dis-moi. Je vais courir pour gagner. Et je le ferai seul s'il le faut. Et oui, Miliardier n'a pas fait d'éclat lors des épreuves de qualification et partira donc aujourd'hui en 5e position. Rappelons qu'il n'y a que 5 points d'écart entre les 3 premiers candidats au titre. Exactement. Et celui qui remportera cette course deviendra le nouveau champion de la catégorie. Morales va ralentir dans la courbe. Tu peux doubler par l'intérieur. Quelle magnifique action de Miliardi! Vas-y, mon fils, tu peux le passer! Allez, vas-y! Le voilà maintenant en 6e position, Marcelo! Lucas, Zamora est en train de réduire l'écart. Lui laisse pas d'ouverture à la sortie de la ligne droite. Lucas, t'en fais qu'à ta tête, il va te dépasser! Quelle erreur de Ballesteros! Quelle erreur!
Samora risque de prendre la tête. Ça y est, c'est chose faite. Samora prend la tête de la course. Voilà une erreur qui risque de coûter très cher à Vallejos. Lucas, si tu n'écoutes pas, tu n'arriveras à rien. Laisse-moi t'aider au lieu de la jouer solo. Lucas, c'est pas le bon moment, il faut que tu attendes. Attention, Milliardi s'avance. Il tente une remontée. Il va probablement réussir à passer. Et c'est Mancilla qui va en faire les frais. Il va le doubler. Il va le doubler. Attention, et voilà, Milliardi passe devant Mancilla. C'est bien mon gars. Milliardi ne s'avoue pas vaincu et remontant en cinquième position. Il reste encore 12 tours de piste, Marcelo. Et le public assiste aujourd'hui à un très grand spectacle. Regardez qui voilà. Milliardi poursuit sa remontée. Ah, méfiez-vous de l'eau qui dort. Et le voici maintenant dans le peloton de tête. Une sortie de piste, drapeau jaune, drapeau jaune. Tout à fait, drapeau jaune. Une épaisse fumée s'échappe du véhicule de Cantoré. La voiture de sécurité va devoir faire son entrée sur le circuit. Ah, quelle malchance pour Herman Cantoré qui court aujourd'hui dans sa ville natale. Ah, c'est vraiment pas de chance. Quel dommage. La voiture de sécurité vient de quitter la piste. Le drapeau vert est brandi. Et c'est une magnifique accélération collective qui vient saluer la reprise des hostilités. Samora lève toujours le pied au prochain virage. Essaye d'en profiter. Trop dangereux, il peut sortir de la piste. Il va rien lui arriver. Lucas, fais-moi confiance, ça va aller. Je sais que c'est risqué, mais tu peux y arriver. Écoute ce que je te dis, Lucas. Lucas, vas-y, n'hésite pas, fonce. On dirait que Vallejos va tenter de doubler Samora dans le virage numéro 4. Oulala, c'est très risqué. S'il rate son coup, c'est une sortie de piste assurée. Il a réussi! Il a réussi! C'est bon. Allez, parfait, Lucas, c'est bientôt dans la poche. Encore 8 tours de piste avant la fin de la course. Est encore joué. Milliardi poursuit sa remontée spectaculaire. Il remonte. Et voilà Milliardi en quatrième position. Il ne s'arrête pas là, il continue. Et le voilà troisième maintenant. Impressionnant, extraordinaire, quel bolide! Ce que Milliardi est en train d'accomplir sous nos yeux est presque surnaturel, mesdames et messieurs. Mais c'est une sortie de piste pour Maurice Solé et Valiente. Quel dommage. Encore 3 tours avant la fin. Attention à l'impact, garde tes distances. Samora et Vallejos viennent de sortir de la piste. Et c'est Milliardi qui prend la tête de la course. La voiture numéro 5 de Chevrolet fonce droit vers le titre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu, toi? Béa, tu sais où on est, Lucas? Lucas revient, Samora a abandonné. Lucas Vallejos regagne déjà la piste. Il a encore toutes ses chances de conserver la deuxième position. Mais malheureusement, je crains qu'il n'ait plus le temps maintenant de rejoindre Milliardi qui se dirige tout droit vers la victoire. Tout à fait. Quel dommage pour Vallejos. Il ne reste plus qu'un tour et Milliardi a pris une sacrée avance. Thank you.
voiture numéro 5 semble avoir un problème. Oui, que se passe-t-il? Milliardier est toujours en tête, mais ralentit considérablement. Juan Manuel, tu perds de la vitesse. Il n'y a pas de problème de moteur. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ça s'arrête. Réponds-moi. J'ai un contact. J'ai pas besoin que tu me rendes service. Je suis pas en train de te rendre service. Je t'attends. Un peu de jeu dans la direction. On va vérifier les rotules de suspension et voir ce qu'on peut faire sur les amortisseurs. Bonjour. Tiens, ça y est, tu pars en Europe? Je viens dire au revoir. Je pensais que tu partais avec Béa. Je sais pas comment il a fait, il m'a convaincu qu'il fallait que je la remplace. J'avais pas le choix. Bonne chance, champion. Merci. Comment elle va? Très bien. Ça fait drôle de la voir passer à la concurrence, mais elle va bien. Ouais, je comprends. Juan, tous les deux, on sera jamais amis. Je le crains. Tu l'as récupéré? Ils me l'ont rendu. Super. T'avais pas dit que tu voulais l'essayer?
tierra o te atas a la cama y te sentís una mierda. Te persigues de todo y solo seas tu mente y la única idea.